YouTube, salut et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Dark Souls, un petit jeu indé dont tu as peut-être un jour entendu parler. On en était qu'on approchait tranquillement de l'église des derniers, des morts-vivants. On avait récupéré une arme un petit peu mieux au dernier épisode, mais du coup on fait des roulades toutes nulles. Et il y a un chevalier noir qui nous a bolossé, donc je pense qu'on va chercher tout de suite. La revanche. Hop. L'endurance qui nous fait monter le Keyblade. Oui, bah oui alors. J'aimerais bien retrouver ma mobilité d'antan, que j'aimais tant. Parce que là, la petite roulade, ma stock, c'est pas terrible. On va essayer de surfaire le chevalier noir. J'ai compris à peu près comment il fonctionnait. J'ai bon espoir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Puis ce serait ballot de rester sur un échec. C'est pas le genre de la maison. Allez, viens. Tu te calmes, on t'a dit. Allez, tu me suis. C'est pas parce que tu faisais pipi en haut tranquille de ta tour que t'as. Oh, chat! Ah oui, c'est ça qui fait mal, c'est vrai. Ouch. Oh non, on est décédé. Encore. Allez, on va essayer d'être un peu plus patient. J'avais dit au début que c'était l'impatience qui tue, donc on va essayer d'appliquer un petit peu ce qu'on a dit. En étant un peu moins naze. Parce que là, on est mort 8 fois, au bout d'un moment, les gens vont se moquer. Surtout si je me prends des coups comme ça. Hop là. En même temps, on avait quoi, 70 âmes, je crois. Ça valait peut-être même pas la peine de les récupérer. Bonsoir. Ça fait plaisir. Un petit passage dans le dos. Et de 2. Nul 2. Tu fuis, hein? On dirait moi. Bon, bah fallait pas les taunt. Le trash talking ne marche pas. Visiblement, il a mal pris. La 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 la. À nouveau. On va pas abandonner. De si bon chemin. Le chevalier noir. Quatrième tentative. Cinquième. Un des deux. Ah, il m'a décollé. Nul 3. Ah,
Oups. Et rumeur. Bon. Voilà. Yeah! On passe dans la mort à deux chiffres. Ça aurait été bon que tu tombes de la tour. Ouais, ça aurait été un peu drôle. J'avoue que ça m'aurait fait rire. C'est pas grave. On n'était pas trop mort jusqu'ici, donc il y a un moment où il fallait bien s'y mettre. Nul 4. Je remercie le chat qui me soutient jusqu'au bout, hein. Bien sûr. Putain, cette attaque-là, elle fait quand même hyper mal. Ouf. À plus forte raison quand on se la prend dans la tête. Oh non! Oh, je proteste! Ah, il proteste! Nul fois 5. Je t'anticipe, ton crête, je sais très bien ce que tu vas dire, tu me juges. Et t'auras un peu raison. Il va falloir monter un petit peu notre force ou notre endurance pour la clé mort parce que le déplacement il est quand même assez handicapant. Il a pas tort. Bah oui, je sais qu'il a pas tort. Ouch. Oui, bah si j'oublie de parer, ça va pas le faire. On va opérer une retraite stratégique. Appelée aussi fuite lâche. Ma tentative de lui tomber dessus s'est soldée par un échec. Heureusement qu'il est trop gros pour me toucher. Parce que là, il m'aurait défoncé. Ouh, on a fait un tiers de sa barre de vie. Allez. Ça a été de me lâcher un truc bien. Ouh. Très désagréable. On va essayer de l'attirer vers un endroit où il y a plus de marge de manœuvre. Maintenant qu'on l'a bien entamé. Arrête, monsieur. Allez. On va tout miser sur l'avantage du terrain et. Oh, j'ai tiré ici. Et la manche de la clé mort, j'allais dire, mais. Merci Shimajin pour ton follow. Et bienvenue. Bienvenue dans ce duel qui se passe pas comme prévu. Et voilà. Si, oui, si, ça se passe comme prévu dans un sens, c'est pas faux. 12e mort. Ça fait quoi? Ça fait 8 morts contre lui? 6? J'en suis nul combien, Tancred? Je crois que j'ai oublié de rater le compte. Voilà. Bah oui.
En fait, j'avais l'avantage jusqu'à ce que je prenne une situation avantageuse. Nul 6, merci. Donc la moitié de mes morts sont contre cet ennemi. C'est pas mal. Oh, tiens, j'ai oublié de récupérer mes armes en bois. Pas grave. Très bien. Comité d'accueil fort peu sympathique. Ouch. Ouch. Bon. On va quand même aller récupérer nos armes en bas. Quelque chose me dit que ça peut servir. Après, tu prends une potion devant sa face. Oui, bah écoute, à Skyrim, je peux manger 8 tonnes de fromage, 40 gigots de bœuf, et je sais pas quoi, et les gens disaient rien. Alors moi, je pensais que j'étais comme dans Skyrim. Ça se verrait pas. Alors, j'étais mort de quel côté de la fontaine? Ah là. Voilà. Bonsoir. Débilus Maximus. Là, c'est complètement de ma faute, j'ai fait Naori. Non, 123, peut-être pas quand même. Bon. Est-ce que vous voulez A, que je m'acharne? Ou B, qu'on avance et qu'on revienne plus tard sur lui? Nul 7, merci. Est-ce que vous voulez voir un peu la suite du jeu ou toujours le même ennemi qui me bolosse? Il sait le côté non répétitif. Je commence à avoir Yodai d'impersistance rétinienne, je ne te le fais pas dire. Écoute, on va essayer d'avancer. Devant vos yeux ébahis, peut-être la suite. Du coup, on va avancer un peu. Je sens que je vous ai démontré tout mon talent dans cette phase de jeu, donc du coup, je peux avancer sereinement maintenant. Je sais que je ne vais pas m'exposer à des critiques. N'est-ce pas? Des critiques du style, t'es vraiment trop nul. Jamais, c'est pas votre genre. De où t'as pris que 14 points de dégâts alors que t'avais pas paré le coup. Bon. L'acharnement a fini de payer. On est avec toi, on n'est pas des haters. Non. Vous êtes pas du tout comme ça. À nouveau, vous n'êtes pas ici pour me voir rager. Rascola, la boisson des champions. Après, il y a notre ami le sanglier qu'on peut essayer de dépecer, mais ça semble être une mauvaise idée là aussi. Ouch! On va essayer de se le faire plus tard. À nouveau, on va essayer d'avancer un petit peu quand même.
Sinon, vous allez croire que je suis nul alors qu'en fait, je le fais exprès, bien sûr. Chaud chez fille. Attention, guest star. Et donc potentiellement bruit étrange dans le micro, à sa présence du chaud. C'est Jacqueline. Le chaud. Tu es très fort pour tuer des clodos en slip. C'est vrai. C'est une compétence, hein. Franchement, on sait pas trop ce qu'ils ont mangé, on sait pas trop ce qu'ils ont bu. C'est plutôt courageux quand même. Il te mord, tu chopes le tétanos. Alors que t'es déjà mort. Jerry Khan, je te vois venir et tu bouches la moitié de mon écran. Accessoirement. Alors en effet, je te trouve très beau et très sympathique, mais là t'es un petit peu quand même encombrant. Et du coup, j'ai des poils de chat dans le pif, tu m'aides pas. Je te fais ta place, j'ai compris l'idée. C'était subtil ta façon de me faire comprendre. Très bien. Je prends. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir acheter des kits d'amélioration d'armes auprès de notre ami André de Forgeron. Coucou. Hop, toi, coucouche. Voilà. Décidément. Vous voyez, je maîtrise que même les clodos en armure, hein, je les défonce. Pas le que les clodos en slip. Alors, évidemment, quand ils sont en slip, c'est plus facile, mais bon. Alors, vous trouviez que c'était rigolo de me voir crever contre le gros monsieur en armure noire. Rassurez-vous, il y a un autre gros monsieur en armure noire qui arrive, mais pas du même genre. C'est quand même chouette comme pelle à tarte, ça fait du dégât. Ouais, et encore là, elle est pas améliorée. Quand elle sera améliorée, ce sera un petit peu plus sympa. Mais là, on est vraiment en mode basique, basique. On va aller voir notre ami André. Il pourra peut-être améliorer notre pelle à tarte. Justement. Alors, est-ce que t'as besoin de te forger quelque chose? Oui. Si je passe Clément en plus 1, hein, ouais, j'ai qu'une petite amie. Ouais, hop là. Elle gagne quand même 10% de dégâts. Je le prends. Et en plus 2, elle passe à 123 de dégâts au lieu de 103 de base. C'est quand même pas mal. Alors là, on va pas y aller parce qu'il y a un gros monstre que j'ai pas encore niveau pour défoncer. Et on va aller taper un gros monsieur. Enfin, on va aller face à un gros monsieur et il va nous taper.
Allez, hop, 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 hop. On se motive avec le bon goût du Finistère. Je finirai par appeler ce live Ker Dark Soulek. Et alors là. C'est lui le gros monsieur. Coucou! Bon, il a pas beaucoup d'armure, par contre il se bat avec un lampadaire, alors du coup on va essayer de faire gaffe. Il reste bloqué là, ça m'allait très bien. L'avantage de la clé mort, c'est la longe, qui est quand même ultra pratique. Pouah. Pouah. Ah, ciel. Elle faisait pas mal de dégâts en plus, parce qu'on l'a améliorée, et on a récupéré une titanique qui nous permettra peut-être de la passer au niveau plus 3, s'il commence à faire une arme potable. âmes, je pense qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour monter le niveau, parce que j'aimerais vraiment arrêter d'avoir une roulade toute pourrie. Ouais, il manque encore 240. Est-ce qu'on en monte en plus 3? On est un peu loin du Mordor pour une masse pareille. Ouais, bah c'était la version baby. Une charge. J'ai pas ce qu'il me faut, il me faut une deuxième titanite. Donc je peux l'acheter. Ah, on va garder ce qu'on a pour. Plutôt garder ce qu'on a pour monter de niveau, parce que j'aimerais bien arrêter d'être à moitié encombré. Et même comme ça, ouais, je suis encore en grosse roulette toute lente. Et ça ne va pas du tout. Il va nous falloir de l'esquive de qualité. Si on veut une chance de survivre face au prochain boss qui s'approche lentement mais sûrement. Il a fait une feinte, le bougre. Alors là. Une fire qui perçoit. Et là-bas en haut, il y a un monsieur qui balance des sorts et qu'on va éviter de déclencher tout de suite parce que sinon il va nous rétamer. À la place, très lâchement, on va aller là-bas. Et on va descendre vers le Firekeeper Shrine, pardon, qui est plus bas. Et on va s'améliorer un petit peu. C'est joli ça. Firelink Shrine, pardon, pas Firekeeper. Oh, miracles, I... ouais, lui nous dit rien de nouveau. Rien de nouveau. The effective... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler en dessous au Firekeeper, qui va pouvoir nous améliorer notre flasque d'astuce.
coup, elle va nous soigner plus. Et ça, c'est très, très, très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Donc, on a tout juste ce qu'il faut pour level up. C'est parfait. La montée en endurance. Alors, où est-ce qu'on en est? Non. Toujours pas très agile au niveau de l'esquive. Ni avec l'un ni avec l'autre. Lui en termes de résistance, il était mieux au niveau du feu, je crois, donc c'est bien, ça nous sert plus tard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va consommer toutes les âmes qu'on a récupérées. Puis là, du coup, toutes ces âmes-là, on peut les consommer pour en avoir d'autres. Et ça va nous permettre de nous monter un petit peu de niveau. On va devoir se préparer un petit peu pour ce qui nous attend. Avec le premier vrai boss rigolo rigolus qui approche. C'est pas le moment le plus enrichissant de la partie. Dernière pour la route. 800, très bien. Ça nous fait un niveau de plus. Endurance. Non, mais endurance. Toujours cette roulade un peu pourrie. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va tout miser sur le fait que ça va bien se passer quand même. L'avantage du coup d'être... en fait, les feux de camp quand il y a un gardien, comme la meuf en dessous de celui qu'on a, il renforce, il donne 10 flasques plutôt que 5, ce qui les rend d'autant plus intéressants avant un boss. Des gros bruits. Voilà. J'appelle ça se jeter sur le dos, pas une roulade. Oui. En effet. Les amateurs de judo se régalent. Je peux profiter de toute la technique de... J'ai tombé. Éviter que le gros monsieur il se ramène de trop près, parce que après, ça va faire très très mal. On va se faire les clodos en slip. On va récupérer notre stamina. Et c'est Tipar. Ouch. Et de où tu... Tiens. Au moins c'est un finisher un petit peu stylé. Par contre, vous trop, ça va être la misère. Encore que. Est-ce que c'était vraiment un bon moment pour looter les corps? Je ne sais pas.
Pouf. Donc, ça avance. Oh, qu'est-ce qu'on est lent. Ouais, super. Il y a un mec là-bas, on essaie de se le faire. Hein. Alors, eux, les petits filous, ils peuvent nous contrer. Et vu leur force, en général, le contre, ça s'appelle la mort instantanée. Allez. Allez, mon gars. Allez, mon bonhomme. J'ai cru que t'avais rien à récupérer. Une humanité, bon. On va dire que ça se prend. Ça, c'est trop solide. Ça, non. Encore humain, n'est-ce pas? Alors, j'ai de la chance. Est-ce que vous pourriez m'aider? Comme vous pouvez le voir, je suis coincé sans secours. Ouais, je suis sympa, je t'ouvre la porte. Ah, merci, oui, sincèrement. Je suis Lautrec de Karim. J'apprécie vraiment cela. Et je garantis une récompense, mais plus tard. Tout ça parce qu'il est en slip dans sa cellule. Oui, je suis désolé, votre récompense devra attendre. Je viens juste d'être libéré, donnez-moi un peu de temps. Le design des armures est vraiment sympa. Hein. Parfois un petit peu étrange, mais globalement sympa. J'arrête. Il y a un monsieur qui pendouille. Je récupère une âme. Alors, on va monter cette échelle. On va faire le plein de vie. On va faire craquer ce qu'on peut. Et on va traverser la lumière. En direction de la tour. Oh là, cette lenteur. Et la gargouille. Toute référence à Gozer et Vince Clorto, le maître des clés, est purement fortuite. Ouch, ça que fait mal, hein.
Ouh, ça pique, c'est ça. Alors, hop, 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 hop. Ce que j'aimerais faire surtout, c'est ne pas tomber du toit. Allez, esquive. Elle a de l'allonge, hein. Et là, bien sûr, c'est la bonne blague. Il y a son jumeau qui débarque. Son jumeau qui a mangé du piment la veille. Je ne dis pas ça. Allez. La vache, vous êtes chiant. J'ai le droit d'approcher aussi des fois ou... ça. Voilà, en plus on bouge vraiment à deux à l'heure, c'est trop la galère. J'aimerais mieux retrouver celle que j'ai le plus abîmée. Histoire d'essayer de la finir en premier. Mais là, les deux ont l'air décidé de me carboniser le cul. Ouais, c'était toi. Encore un petit coup et t'y passes. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Cette technique du je me jette sur le dos m'a permis quand même d'éviter un coup de façon assez improbable. Allez, approche-toi. Viens. Viens, gamin. Allez, ton... Il y a ton homie qui te couvre, mais... En plus, si vous y mettez les deux, elle me crache du feu à la tronche, ça va pas le faire. Allez, en voilà une. Et ben voilà. Bah easy. Je serais tenté de dire. Voilà, voilà, voilà. 10 000 âmes, j'aime bien. On va se récupérer une place, qui va là. Pouf. Bon, bah ça fait le deuxième boss qu'on se one shot, je crois. Le démon taureau, on l'a fait d'un coup. On perd du fun que tu crèves pas. Bah ouais, je me rends bien compte que du coup vous vous ennuyez. Vous êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour de l'énervement, de l'agacement, du jeté de manette, du cassage d'écran. La première des deux cloches.
Eh ben. Ah, maintenant que j'ai trouvé que cette technique de descente d'échelle existait, ça va me faciliter la vie. Bonsoir, type pas du tout louche. Salutations, je suis Oswald de Karim, le pardonneur. As-tu un ami? Apporte-toi un accueil chaleureux. Viens-tu pour te confesser ou pour accuser? Car en effet, chaque péché est mon domaine. Ils vendent des trucs. Ils vendent des trucs, mais il semble qu'ils sont principalement utilisés pour le multi. Donc, ça devrait aller. Et on apprend une nouvelle émote qui nous servira éventuellement si un jour on se met multijoueur. Mais ça va être en aigle. On est déjà assez mauvais en solo, on va pas commencer à se mettre en multi. Est-ce qu'on avait des trucs à récupérer? Non. Est-ce qu'il y avait des trucs? Non plus. Du coup, ça va être où la suite des événements? On va retourner voir notre forgeron préféré. On va gagner pas mal de niveaux, donc peut-être qu'on arrêtera de faire la petite chute sur le dos. Ah oui, puis après, il faudra se mettre en direction de Light Town. Pour aller sonner la seconde cloche. Et ça va pas être du gratuit. Not a piece of cake. C'est long. C'est lent. Dépêche-toi. Il faudrait aussi qu'on fasse le sanglier. Cochons-nous le bon saucisson qu'on aime chez nous. C'est notre prochain objectif, ça va nous faire le sanglier. Ça va être marrant. Enfin, si vous vouliez de la mort. Et puis on a un chevalier noir sur lequel on doit prendre notre revanche, c'est vrai. À noter que du coup, je suis mort quand même beaucoup plus contre le chevalier noir que contre le boss, puisque je suis mort 0 fois contre le boss. Mais 7 ou 8 fois contre le chevalier noir, je crois. Hop, 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 hop. Notre ami Joselito, il devrait quelque chose à me dire, peut-être. Oh non. 7 fois. Oui, bon, 7 fois contre le boss, ça va. Contre le chevalier, ça va. Ça aurait pu être largement pire. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Oh, quelle surprise! Je ne pensais pas que vous réussiriez. Lâcheur. Oh, quelqu'un a sonné la cloche. Faites-vous? Vous abordez jamais, n'est-ce pas? Je sais pas comment vous avez fait. Très bien, ne vous arrêtez pas maintenant. C'est plus qu'une, mais ça va être du suicide. Ce PNJ est un petit peu l'incarnation du chat. On va quand même se mettre quelques points de vitalité. J'aurais aimé mettre plus d'endurance. Et plus de force. On va dire comme ça, c'est pas mal. On a récupéré un nouveau casque, le Gargoyle Aim, qui est ben, mieux. Donc, du coup, on va l'équiper. Est-ce qu'on peut faire une équipe? Ouais. Est-ce que du coup, ça compte dans le poids porté ou non? Status. Équipe load 30. Eh ben oui, ça compte dans le poids porté. Eh ben, mais du coup, j'ai. Ah ouais. Eh ben, c'est beaucoup mieux. Si j'avais su. Si j'avais su depuis le début, je me serais mis comme ça, comme configuration.
Du coup, j'ai retrouvé une mobilité. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui. On va retrouver nos amis dans l'église et on va essayer de se taper le cochon. Et le sanglier. La paroisse des morts-vivants. Il y en a que deux qui sont arrivés, c'est très bien. Il m'a eu à la vitesse. Ça, mon gars, vous voyez gros comme une maison. Eh bien, Zagout, Gout Goutiaya. Pas de surprise ici. Des arbalétriers au-dessus qui me font. Il faut que je me méfie. Allez, mon gars, ramène-toi. Il a pris sa petite fille au fiole. Je l'ai pas vu. Déplaisante surprise. Ouch. Manœuvre complètement ratée. Gros coup de chat. C'était un gros coup de bol à sa mère. Pris de sanglier. Pas en bonne position, vu qu'il a un défaut d'armure au niveau du rectumiche. Ça, c'était bon. Il est pas mort encore. Et voilà. Un casque parfait, très content. Est-ce qu'il est mieux? Non, enfin, s'il est mieux physiquement, oui, mais faut bien acheter des fois. Mais oui, écoute, si ton armure, si t'as une armure intégrale, tu peux finir étouffé dans du caca. Si ton armure se remplit, c'est la mort. Hein.
vais pas mourir par un, contre un lancier quand même. J'ai pas fait tout ça pour ça. Hop là. Dans la série, la clé mort fait le taf. On va continuer de descendre. Enfin, j'apprécie ton enthousiasme, mais bon, il n'est pas récompensé. Et on va retrouver notre pote, le chevalier noir. Sauf que cette fois-ci. On va arriver un petit peu mieux équipé. Après, il faudrait que je retourne vers le forgeron parce que j'ai de l'équipement à acheter. Visiblement, il nous a pas oublié. Hein. Il essaie de nous choir dessus. J'entends des bruits de pas, j'aurais toujours l'impression qu'il y a des. Bienvenue, oui, c'est genre coucou! Tu te rappelles comment je faisais mal? Ben tiens. Ouais, sauf que moi je peux lui passer à un peu plus de 50 de dégâts, c'est plus la même. Hein. Oh, et son finisher, là, il fait super mal. Et encore, j'ai le bouclier de son pote qui est quand même pas mal. Oh le coquinou. Allez viens. Il reste rien. Boum. Enfin. Un morceau de titanite, c'est parfait. J'aurais préféré un autre truc un peu mieux, mais bon, on va faire avec. Du coup, l'entrée de Blighttown, je crois qu'elle est par là. Est-ce que notre poteau de dragon est encore là? Je crois que oui. Faites pas attention à moi. ...59 de dégâts. Donc la réponse, est-ce que le dragon est encore dans le coin? La réponse est oui. Et il est pas très content. Du coup, eh bien on va aller sauvegarder parce qu'il y avait un point de sauvegarde pas loin. Ça semble une bonne idée. Nous avons à nouveau de finir en kebab. Hop là.
Ça fait de l'XP gratuite, hein. Moi je prends. Je prends. Mais par contre, il va falloir atteindre la zone là-bas. Ça, c'est pour gagner. C'est pas moi, je suis pas là. Il est pas content. Hein. Il est pas content. Hop là. Hop, et on va pouvoir s'ouvrir un petit raccourci. C'est ça de manger mexicain. Mais oui, mais comme quoi, fraîche burrito, c'est pas toujours frais. Hein. C'est pas parce qu'il y a fraîche dans le nom que c'est bon. Hein. Alors la bonne surprise, c'est que du coup on revient quasiment, on revient au deuxième point de tout à l'heure. Ouais. Ah, 4000 pour monter de niveau, par contre, c'était un petit peu plus élevé. Allez, on avance jusqu'au prochain boss histoire de rigoler. Je pense que c'est le. Je pensais que les gargouilles me donneraient plus de fil à retordre, mais je pense que le prochain il va être. Il y a le compteur de mort qui va faire un x2 au minimum dessus. Parce que lors de mon ma dernière tentative, le boss suivant m'a explosé. D'abord, il y a un petit peu d'exploration. On en est à combien? 58 minutes. Bon, allez. Un petit peu de marge, c'est pas grave. Alors, déjà, il y a le toutou à la maman. Le Yuki, hein? C'est qui le Yuki? Voilà. Voilà qui est fait. Mais ok. Somebody, please let me out of here. Somebody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? Enfin mec, je pense que juste si tu pousses la porte, c'est bon, parce que là, elle est un petit peu défoncée. Brilliant. Oh merveilleux, vous avez ouvert la porte. Ah merci, je suis sauvé. Je pensais que je pourrais jamais m'échapper. Je suis Griggs de Vinheim, un sorcier à l'école. Je suis extrêmement... Much obliged, c'est... Très reconnaissant de votre sauvetage. Il va pouvoir reprendre ses voyages. Oh, bonjour. J'ai ma sorcellerie, je serai plus prudent la prochaine fois. J'ai une importante tâche à accomplir. Hop, on va casser les tonneaux. Et dans le tonneau, on va récupérer des habits de sorcier. Ils nous serviront si jamais on veut se lancer dans la magie, hein, ce qui, depuis le début, nous réussit totalement. Alors, des clodos en slip avec des torches cette fois-ci. C'est l'évolution naturelle du clodo en slip.
Il est quand même assez important d'avoir une bonne idée de l'allonge de son arme. Ça sert toujours. Oula. Il y a mon PC qui a la ramasse. Le Rotschrake. Bah oui, faut réussir son jet. Mais j'ai pas mal d'humanité sur moi, donc c'est bon. Hop. Quand on en parle, on en trouve deux. Par là, y'a rien. Tac, sans deck. Oula. Un instant, je vois que mon PC est en galère, je suis peut-être en train de dropper la moitié de mes frames. Ah non, même pas. C'est dingue ça. Oui. Ouais, mais c'est chez moi, c'est vraiment un problème d'affichage, c'est pas. Je te rassure. C'est pas chez toi. Les coquinous! Et puis eux, ils sont bien relous. Hop. Non, non. C'était agaçant. Mais c'est réglé. Ah ben, il y a un monsieur à fouiller. Je prends. On trouve le briseur de maille. Une espèce de dague. Très bien pour les builds assassins, je pense. Vas-y, je fais la dextérité. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Nous, on est basé sur la bagarre. Coucou les potes. Pas le passage le plus propre du monde. Loin de là. Alors, il y a encore un toutou à sa lumière. Voilà. Et on trouve de l'équipement de voleur. On va aller voir un peu au niveau de notre équipement d'ailleurs ce qu'on a. Est-ce qu'au niveau du chest on est mieux? Non et non. Est-ce qu'au niveau des gants on est mieux? Meilleure résistance au poison, moins bonne résistance aux éclairs, mais meilleure résistance physique et au feu, bon lui on prend. Du gant de sorcier, non. Pantalon, meilleure résistance aux éléments, mais moins bonne résistance physique. Donc, bon. Au niveau des anneaux, non. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vous le dis tout de suite, j'annonce. Je vais passer ce rideau de fumée. Je vais mourir, et on va arrêter l'épisode. Et comme ça, ça sera pour la prochaine fois. Et vous aurez vu ce qui nous attend derrière. Il y a ça qui nous attend. Et il est de très très mauvaise humeur. Voilà. J'ai respecté ma part du contrat. J'ai annoncé. Et je peux vous le dire tout de suite, le démon Capra, je vais en chier. Mais en chier grave. Donc voilà. On se laisse sur ces entrefaits. C'est tout pour ce soir. C'était Dark Souls. Et c'est bien. C'est bien, mais ça fait mal.
YouTube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. N'hésite pas à laisser des commentaires, des pouces, des partages, des tout ce que tu veux. Je suis pas obligé de faire ça avec mes mains, mais j'aime bien. Et puis, à la prochaine. Salut! Des bisous.